Alors, on va continuer le matraquage du t-shirt pour vous prouver que nos impressions ne bougent pas. Il y a beaucoup de rumeurs sur ces impressions-là. Ça ne bouge pas. Et tiens, vous savez, depuis 3 ans qu'on les utilise, vous êtes serré à fort. Alors, ce site, un salon de Marseille, vous l'avez reconnu. Salon de Marseille, je sais pas où est le tampon, il est un peu vieux, mon truc, il est un peu secousse. Je suis en train de le remodifier, là. Voilà. C'est le fameux salon de Marseille. Ouais, ça sort au lavage, t'as un peu l'impression, un peu de la merde, avec ça le décor, le réparage. Voilà, ça mousse là, vous voyez, la mousse, ça sent, voilà, la mousse. Alors je vais monter juste les doigts comme ça, je sais que mon appareil coûte des blocs. T'as vu ma bague, je suis là-dedans. Voilà, je vais choper l'appareil d'autre main. Avec ma main droite, je prends une brosse. Une brosse. Pas semblant. Une brosse. Une brosse, une brosse, une brosse. Une brosse, une brosse, une brosse. Voilà, il est sur le lavage, mon truc. Alors, pour ceux qui regardent cette deuxième vidéo, je vous rappelle que dans la vidéo précédente, je l'ai mis dans l'eau bouillante. Hein. J'ai tiré dessus, tout ça. Voilà, on en est là. Donc là, je vais rincer sans vous faire montrer. Regardez comment j'ai le chiffon, regardez bien. C'est frais. C'est que mon t-shirt, hein, mec. Rien du tout, mon gars. C'est ce que tu veux, ton t-shirt. Regardez, il est frais. Hein. Tu vois, attention, comme ça, il est dedans, hein, là. Voyez. Comme ça, je vais rincer un peu. Voilà. 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 Je peux vous apparaître parce que j'ai besoin de mes deux mains là pour les souris. Je les sors, je sais pas si vous me voyez. Si. Là, je les sors, hein. Il, oui, il est toujours là, hein. Il n'y a pas de triche, hein, attention. Voilà. Et voici. Voilà, ton impression, la bouche et tout. Je vais me faire voir au soleil. Voilà, au soleil. Mais ça, c'est mes produits du Japon. Alors, je vais vous faire voir. Et voici. Voilà, voilà, bah, elle est toujours là, elle est toujours là. Voilà. Il n'y a pas de triche. Il a les yeux toujours aussi bleus. Un point. Il sont toujours aussi bleus. Ses dents sont bien blanches, bien propres. Ça n'a pas d'étang, vous avez remarqué, rien du tout, rien, le rouge, le noir, rien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc nos impressions, vous pouvez avoir confiance. Ça ne se déchire pas. Ça ne se délave pas non plus. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais éteindre ma cigarette qui me gêne déjà. Alors une cigarette, c'est nocif pour la santé, hein, n'oubliez pas. Et je vais fermer la porte. Alors je suis toujours avec mon t-shirt, n'est-ce pas? Je le fais en bout comme ça. Je vais le prendre, c'est pas un tour de magie, attention. Je vais le prendre, je vais le tourner comme ça, histoire que vous voyez que je le matraque bien. Vous voyez là, je le chope. Et je vais le tordre. Je vais mettre au-dessus de ma bouche, parce qu'il y a de la flotte. Je le tords. Je mets tout ma coiffe. Du moins, celle de, que Jésus m'a donnée. On l'efface un petit peu. Normal, je serre dessus. Bon. Voilà. Non, mais il n'a même pas craqué son impression. Hein. C'est même pas délavé, rien du tout. Ben non. Alors là, c'est mon éclairage, salle de bain, ça fait un peu jaunâtre parce que c'est jaune. Hein. Je retire dessus, si vous voulez. Moi, je l'aurais bien craqué. Pas cette force. Donc voilà, bon, là, c'est le t-shirt qui s'est un peu détendu quand même. Mais ben, l'impression n'a pas bougé pour autant, en fait. L'impression ne bouge pas, elle ne déteint pas. Même à 100 degrés, l'eau bouillante, on me dit, ah, j'ai pas mis de sel dedans.
Après, je l'ai frotté avec du savon de Marseille. Que voici. Avec ma brosse, encore avec de la mousse dessus. Vous voyez ? Voilà. Donc, tenez-vous une tenue de t-shirt, je peux pas faire mieux. Donc voilà, pour les mauvaises langues, des trucs qui passent au lavage, ils se déchirent, ça se décolle, machin. La preuve que non, voilà. Merci de m'avoir suivi.